Salut tout le monde, c'est Mikra, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kadar Play. Dans cet épisode, on va voir des events. Alors, enfin, quand je dis des events, c'est un event. Donc l'introduction a un rapport avec... le timelapse d'intro a un rapport avec l'épisode. Au moment où je tourne cet épisode, je n'ai pas encore fini le timelapse. Donc je ne vous montrerai pas l'extérieur, car il est en travaux. Donc, vous avez vu une magnifique tour en construction et... Qu'est-ce que cette tour? Bah, c'est le titre de l'épisode, la tour infernale, normalement. Et qu'est-ce que la tour infernale? C'est un event que je compte faire plusieurs fois. Enfin, c'est un event qui sera fait dans la zone event et que je compte faire plusieurs fois. Donc, pour être plus précis, qu'est-ce que la tour infernale? Donc, la tour infernale, c'est une course où il faut monter le plus haut possible, tout en haut, tout en haut, et redescendre par le milieu avec, bon là j'ai pas encore mis de courant d'eau, mais avec un courant d'eau ici, il faudra redescendre avec une chute jusque dans l'eau. Donc très très simple hein, en soi, mais c'est pas juste monter des escaliers comme ça. Donc les premiers étages, je me suis pas embêté parce que la ligne de départ sera ici, et les premiers étages ce sera juste une course pour départager certains dès le début. Et dès qu'on va commencer à arriver par ici, on va arriver à des pièges. Alors les pièges, ce sera des trucs assez classiques, ce sera pas vraiment du vrai parcours, on va dire, mais il y aura des principes divers et variés. Alors pour en dire, c'est l'exemple, c'est des items que j'ai là. Alors je compte mettre des 6 lanternes à la fin, mais pour le moment je vais me contenter des pierres lumineuses ou glowstone si vous préférez. Et il y aura des blocs différents. Donc là j'ai décidé de mettre un arrêt d'étage, donc carrément un étage complet. Et ça monte plus sur cet étage, mais ça va glisser. Donc le principe, c'est la construction se fera au fur et à mesure en soi, et il y aura clairement des moments où ce sera plus dur ou moins dur pour monter. Après, hop, mettre un escalier là. Oups, pas comme ça. Et donc le principe, c'est d'arriver tout en haut, sachant que il y aura des endroits où ce sera plus ou moins dur de monter. C'est pas comme ça que je veux le mettre. L'escalier, c'est toujours assez relou à mettre. Voilà. Tac. 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 Et donc, du coup, le principe, c'est d'essayer d'arriver en haut. Par exemple, déjà, ici on arrive à toute vitesse, on voit pas les trous, on tombe, on redescend, on doit remonter. Ici la glace va vous faire glisser, donc vous pouvez vous faire tomber ici, donc je vais peut-être élargir encore un petit peu. Et il faut arriver à passer ici, puis on va mettre des torches ici, 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 et ici. Et là on va mettre au-dessus des tapis. Tac. Et là il faut monter en sautant, sachant qu'il y aura toujours l'effet du beacon double. Et justement je vais jouer avec cet effet du beacon double, justement pour créer des petits pièges. Hop, là, faut que j'arrive à viser la torche. Voilà. Hop. Hop. Et là on va mettre deux demi-dalles aussi. Et là, à cet étage, on va ralentir et on va prendre... Ouf. Hop. Du sable des âmes. Le sable des âmes, je pense que je referai un... Oups. Vous voyez, ça, le principe, c'est que justement, il y a des gens, moi compris, hein, qui vont pas faire attention et qui vont tomber. Il y aura des gens qui vont se pousser et tout et tout. Et donc du coup, c'est ça le tout principe. C'est que plus vous bataillez, plus c'est dur. Ici, je mets pas de chute, mais je mets ce principe-là, qui fait que si vous êtes intelligent, vous prenez le chemin extérieur, même s'il est légèrement piégé. Très légèrement. Hop. Hop.
Je vais mettre un escalier de demi-dalles. Paf. Je vais prendre des demi-dalles différentes. Alors les demi-dalles différentes, ça n'a aucun effet. Que ce soit... Mais d'accord, j'étais trop près du truc. Je vais prendre un peu de tout. Hop, 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 hop. Alors si je mets des demi-dalles différentes, les unes des autres, ça n'a pas trop d'incidence, on va dire. C'est juste graphiquement. Vous voyez déjà, c'est assez compliqué ça. Que ça casse notre habitude. Voilà, hop. Ça n'a pas trop d'incidence. En soi, c'est juste. Ça va casser la monotonie, on va dire, du design. Et du coup, il y en a qui vont se demander peut-être, ah bah tiens, est-ce qu'il y a un piège ici? Est-ce qu'il n'y a pas de piège? Et du coup, ils vont être distraits. Et s'ils sont distraits, bah, ça crée un avantage pour certains. Et pas pour d'autres, bien sûr. Hop. Faut que j'arrive à faire ça comme ça. Cet épisode, on va pas voir grand chose, hein. C'est juste l'explication de quelle est cette tour à. Cette tour, hein, cet event machin, ça va vous donner un avantage si vous jouez à l'event quand l'event sera mis en ligne. Avoir vous apporter un avantage, ça ne vous apportera pas grand chose de plus. Voilà, paf. Je vais remonter, là je vais laisser ouais, cette hauteur là, et là je vais mettre plus bas. Paf. Voilà, et là, hop, on va arriver à des zones où ça devient de plus en plus perfide. Donc le principe, c'est justement là, je vais me lâcher, je vais faire des zones bien tordues. Et du coup, je sais pas trop si cet épisode, je vais le faire d'une traite, faire un petit accéléré ou pas. Ou si je le ferai en plusieurs parties et tout. De la glace. Paf, paf. En escalier cette fois. Paf, paf. Et là, on se retrouve... Ou plutôt... mettre un double ici. Paf. 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 Je sais pas pourquoi je dis paf. cherchez pas. Des fois, c'est logique pour moi. Donc, je vais faire un accéléré. Très sûrement, de ce que je suis en train de construire. Et je vous montrerai la version, pas finale, mais plus avancée. Donc l'accéléré sera probablement pas de la totalité de ce que je vais faire. Sachant qu'il y a... la tour fait 100 blocs de haut, il me semble. Si je me rappelle bien. Donc du coup, je vais pas vous montrer 100 blocs en accéléré, en version première personne. Je ne ferai pas un timelapse parce que c'est pas très... En fait, je sais pas trop comment le faire, donc du coup, je ne ferai pas de timelapse, tout simplement, de ce moment de construction, on va dire. Parce que... Il n'y a pas de raison, c'est juste parce que... voilà. Voilà, il n'y a pas de raison, c'est juste parce que je vois pas l'intérêt de faire un truc de construction. Ah, je vous conseille, voilà, si vous venez faire cet event, de prendre des chutes amorties. C'est bien, vous allez prendre cher. Allez, on accélère. C'est parti.
Et on se retrouve. Alors, je sais pas jusqu'à où j'ai accéléré, combien, quelle vitesse j'ai mis, et tout. Donc, la tour est pas finie, mais le principe est fini. Donc, vous voyez, premier étage, simple, on court, y a pas de problème. Et là, on arrive à des petits trous. Ah, ok, des petits pièges ici. Il y a pas mal d'endroits où je dois remettre de l'éclairage, où je dois faire deux, trois petites modifications, par exemple, faire en sorte que. Je comptais le faire et puis je l'ai pas fait. Je le ferai après plusieurs tests. Faire en sorte qu'il y ait des zones de réception en dessous, enfin des étages intermédiaires en quelque sorte. Enfin, en exemple, si je tombe ici, bah, je pourrais tomber un petit peu sur un endroit où je pourrais encore essayer d'arriver à sauter à revenir ici. Donc hop, petite carpette en double. Ici une zone où on ralentit. Hop, on est obligé de sauter parce que en étant sur ce bloc-là. On est bloqué même si c'est une demi-dalle, alors que si on est là, ben, on est obligé de sauter aussi. Mais c'est un choix, du coup, on a deux possibilités de chemin. Hop, là, on peut sauter comme on peut marcher comme moi. Ici, on a accéléré et du coup, on risque de tomber. Hop, là, le sable, des âmes. Et si on fait pas gaffe, pouf, on peut tomber. Donc, hop, hop. Des petits sauts. Bon, ça c'est pas si dur que ça. Hein. Ceux qui vont jouer, vous allez me dire, ouais, c'est dur et tout. Moi je trouve que c'est pas si dur que ça. Et je vais modifier pour que ça soit encore moins dur. Hop. Vous voyez, c'est pas la mort, hein. C'est pas du parcours de ouf. Hein. Ici, il y a juste un endroit. Faut faire gaffe, faut pas être au milieu. Si vous êtes au milieu, vous pouvez tomber, ou sinon faut sneaker. Faut mettre un sneak. Donc vous pouvez aussi passer par là, par exemple, en sautant. Tac, tac. On arrive ici, vous voyez. Paf. Là, on a un petit mur, un petit muret, je veux dire. Et là, on a deux petits chemins, ou le chemin avec la lame sous le sand, ou ce chemin-là. Paf, on arrive ici. Paf. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est pour ça que c'est une course, c'est pas un parcours en soi. Hein. C'est celui qui arrivera le plus vite en haut. Il y a des endroits, voilà, où on risque de tomber. Et là, il faudra que je mette des endroits, des étages intermédiaires pour essayer de rattraper plus vite ces zones-là. Voilà. Comme ça sera un malus si vous tombez, mais que vous faites attention à comment tomber. Et ce sera un gros malus si vous tombez sans faire gaffe à que vous pouvez, à que vous pouvez, au fait que vous pouvez vous rattraper aux branches. Donc, voyez, là déjà, ça commence à être légèrement dur, mais j'ai été sympa sur la fin. J'ai mis des escaliers tout simples, enfin tout simple, un peu destroy. Voilà, donc vous voyez, on arrive à la fin. Il y a des escaliers destroy, il y a deux trois petits trous, vous voyez, mais ça reste très léger. Et voilà la fin. Et en bas, on a l'eau et fiou, pouf. Alors il y aura un concept. Alors j'ai pas encore décidé pour la première version. Je pense que je vais m'arrêter au premier arrivé ici à gagner. Dans les versions d'après, il y aura probablement un système où il faudra remonter ici et déposer un item spécifique qui sera dont vous aurez l'info qu'en bas. C'était l'objectif de base, mais je me suis rendu compte que je ferais ça plutôt de cette manière-là. Voilà. Cet épisode, je pense, va se finir là. Malgré l'accéléré, le timelapse, tout ça, je pense que je suis largement dans un épisode assez long. Donc du coup, il y aura un deuxième épisode. Ce deuxième épisode sera la version course, version finale et la version course, où je vous filmerai vous en train d'essayer de battre des adversaires. Et vous noterez que cette vidéo sortira le même jour. Normalement, si tout va bien, que les events sur le serveur. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo le jour même, à la minute même, enfin je veux dire quand elle sort ou proche de sa sortie, sachez qu'aujourd'hui, l'event Tour Infernal commence. Et il y aura plusieurs fois cet event sur le serveur. Et je le peaufinerai, comme d'habitude, comme tous les events, je les peaufinerai au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Sur ce, je vous dis ciao ciao et à plus sur Kadar.